Poitiers. Pour la prière et remerciement. Béni sois-tu, d'éternité en éternité. Ô éternel, le Dieu de nos pères, celui qui nous a délivrés en envoyant son Fils mourir sur la croix, dont le sang nous a lavés, nous a purifiés de toute iniquité. C'est lui qui nous a arrachés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Nous avons pu arriver à découvrir la manifestation de ta puissance dans nos vies. Comme ton serviteur David t'a dit, à toi la grandeur, la force, la magnificence et la gloire. Car tu as créé toutes choses. C'est par ta volonté, ô Dieu, qu'elles ont été créées. C'est par ta volonté que tu nous as créés, cher Seigneur Dieu, et que tu nous as façonnés, ô Dieu, de la manière dont nous sommes. Et ton but, ton objectif, c'était pour te donner gloire, pour te glorifier, pour célébrer ton nom. Et voici, cher Seigneur Dieu, tu nous as permis de comprendre que tu es le Dieu souverain. Car c'est par ta souveraineté que tu exerces le contrôle sur notre vie pour nous permettre, ô Dieu, de communier avec toi et d'avoir cette relation unique des uns avec les autres. Nous te remercions, ô Dieu, pour l'existence de cette œuvre. Et merci, ô Dieu, pour cette déclaration que ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, avait faite en posant la fondation de cette œuvre lorsqu'il allait mourir sur la croix pour nous, disant, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est par ta volonté que nous sommes ici présents devant toi, en train de jouir des béatitudes que ta providence a faites. Nous te remercions pour la paix que tu nous as donnée, la paix qui nous a permis de survivre les querelles, les intempérances, les dissensions. Ô Éternel, qui nous a préservés contre la division depuis ces 13 ans. Merci pour la consécration des uns et des autres. Merci pour le ministère du pasteur, le pasteur de cette église, ton serviteur, pasteur Polycarpe, ô Dieu, qui ne se donne pas du repos tant qu'il n'a pas accompli son devoir, ses obligations pour toi. Nous te remercions, ô Dieu, pour les leaders que tu as placés à ses côtés. En l'occurrence, pasteur Gérald Thomas, ton serviteur, les diacres de l'Église, les dames missionnaires, les dames de l'Église, les jeunes, tous ceux qui ont travaillé, ô Dieu, au maintien de ce ministère, que ton nom soit béni, que ton Saint-Nom soit loué.
Nous te remercions, ô Dieu, pour tout ce que tu nous as permis d'accomplir. Parfois, ô Dieu, ça prend des temples en discussion. Parfois, ça prend des dissentiments. Mais en dépit de tout, ô Dieu, tu as pu donner la victoire à ton peuple. Merci pour la lumière du Saint-Esprit qui nous éclaire. Merci pour ton bras puissant qui nous a maintenus ensemble. Et nous te remercions d'une manière tout à fait spéciale pour ce matin, pour cette journée de célébration. Merci, cher Seigneur Dieu, pour ta présence qui se fait sentir au milieu de nous. L'Église, pour ton tabernacle, ô Dieu, t'a exprimé ses sentiments de reconnaissance au travers de la musique, des présentations des différents groupes. Nous t'avons, ô Dieu, exprimé nos sentiments de reconnaissance par le ministère des jeunes de l'Église Bethesda, par le ministère des jeunes de l'Église, par le ministère des dames, par le ministère des hommes, par le ministère de la grande chorale, par le ministère des clartés célestes. Ô éternel Dieu, nous te remercions pour les musiciens, tous ceux qui ont contribué, ô éternel, à te glorifier en cette journée. Que ton nom soit béni dans leur vie. Merci pour les talents que tu donnes de manière à nous permettre, ô Dieu, d'exceller dans ces ministères. Merci pour les offrandes de ton peuple. Merci pour ceux-là, ô Dieu, qui ont donné de tout leur cœur. Car c'est cela que tu requiers, ô Dieu, de tes enfants, le sang de ceux qui ont bénéficié, ô Dieu, de l'abondance de ta grâce. Merci pour les amples bénédictions que tu as déversées sur nous. Nous te remercions, ô Dieu, toi, Saint, pour le ministère du pasteur Fritz Père, dont tu t'es servi, cher Seigneur Dieu, pour parler à ton peuple. Permets que nous soyons transformés par ta parole et que nous puissions améliorer notre relation avec toi et nos relations les uns avec les autres. Merci, Père. Et ce matin encore, tu vas te servir de lui pour nous parler. Ordonne que nos cœurs s'ouvrent et que nos oreilles t'entendent. Nous t'en supplions, cher Papa, de nous faire grâce. Merci pour les visiteurs qui sont au milieu de nous. Merci pour les membres affiliés, ô Dieu, qui ont accepté de se joindre à nous. Ô éternel Dieu, pour continuer à te servir. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Bénis cette ville où tu nous as placés. Fais-nous la grâce, ô Dieu, pour passer d'exercer notre ministère avec un cœur rempli de joie. Que nous puissions atteindre ceux-là qui souffrent, ceux-là qui gémissent. Conduis nos pères, car nous savons que tu as un plan pour cette Église. Dirige-nous et accorde-nous la grâce de nous appuyer sur toi, de nous reposer entre tes mains pour la subsistance de cette œuvre. Que ton nom soit béni et glorifié. Nous t'en supplions au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur, qui vit et règne dans l'unité du Saint-Esprit, car il est Dieu au siècle des siècles. Numéro 213, c'est un français, j'ai l'espérance, à la gloire de Dieu. Yeah.
avec semaine là, c'est pas vrai, bien aimé? Nous sentons que nous avons été là tout le temps, nous allons y aller trop, trop vite. Mais c'est comme ça, bon Dieu, vrai, nous avons souhaité que tout le monde qui est prêché, ou même qui est là, après, tout ça, bon Dieu, nous avons montré le monde. Et tout le monde est servant de restaurer le monde. Est-ce que nous pouvons ça, bien aimé? Et nous avons ça, c'est un privilège encore que nous gagnons. Pour nous capables de mettre avec Pasteur Fritz et Joseph. Il va parler avec nous, peut-être pas pour combien de temps il va le prendre. Pour nous, tout ça, il vient pour nous. Mais son seul mot d'adieu, qu'est-ce parce que nous venons de la vie dans la parole de la semaine. Est-ce que vous pouvez ça? On va applaudir les cerveaux. Chers frères et sœurs, que la grâce, que la paix de Dieu soit avec vous tous. Amen. Permettez d'abord que je bénisse le nom du Seigneur qui, dans son amour infini, m'a fait grâce de me sauver un jour durant les jours qui me sont donnés, les jours qui me sont donnés de le servir. Et aussi, en plus de me sauver, de me faire voir de grandes choses, des choses merveilleuses, mais aussi m'a appelé à son service, c'est tout un honneur, un très grand honneur de servir ce Seigneur. Je le mets davantage pour notre participation à votre célébration cette semaine. Célébration de 13 ans de fidélité, 13 ans de bonté, 13 ans de grâce, 13 ans de renouvellement, de bénédiction à tous égards, donc à lui seul la gloire. Je remercie le Seigneur pour mon épouse qui était venue me rejoindre pour vivre ce moment avec vous et célébrer les bontés du Seigneur à chaque instant dans toutes ces interventions magistrales et extraordinaires. Mais aussi, je bénis le Seigneur pour la chorale des jeunes qui nous a rejoints pour célébrer avec vous ce 13e anniversaire. Que le nom du Seigneur soit béni, que son nom soit célébré. Je remercie les pasteurs de l'Église, pasteur Polycarpe et tous ses collaborateurs qui, sous l'inspiration et la direction du Saint-Esprit, m'ont adressé l'invitation pour revenir vivre ce moment avec vous et me laisser élever devant le trône de la majesté de Dieu pour le contempler dans toute sa gloire et célébrer son grand nom. Alors, merci pasteur, merci les leaders de l'Église, merci pour vos prières et merci aussi pour ceux qui nous ont nourris pendant ces jours-là. On a été gâtés et puis j'ai dû dire qu'au début j'étais seul, quand l'épouse n'était pas encore arrivée, donc si on me donne trop, je ne pouvais pas retourner avant rien. Alors, mon épouse est arrivée, et donc on a apprécié le traitement et on bénit le Seigneur pour vous. On a beaucoup apprécié tous les gestes que le nom du Seigneur subit. Je vais demander maintenant à tout le monde de me prêter votre attention pour que je vous adresse la bonne parole du Seigneur. Donc, merci. Ok, hier soir, j'avais fait une annonce concernant Samuel. C'est ça? Oh, ma fille m'a dit de parler en créole. Je vais parler en créole. Merci. Oui, alors, est-ce que pour Samuel, c'est ok aussi, il reste encore décidé? Ok, d'accord. J'avais fait une annonce hier soir, maintenant, étant donné que l'offrande, votre offrande d'action de grâce est déjà donnée, Samuel étudie présentement au séminaire et je pense qu'il a vraiment c'est un homme très talentueux à ce niveau. Il a deux bons idées, et puis je pense que les filles ont amené le deuxième, c'est ça? Alors, et puis je pense que j'ai encouragé tout le monde à non seulement acheter un CD, mais tu vas l'encourager aussi dans ses études. Je pense que ça vaut le coup. Ce n'est pas dans mon habitude de faire cela. J'avais demandé la permission hier soir à pasteur. Je n'aime pas non plus faire cette annonce-là. Mais je pense que pour les quelques 16 CD qui restent, donc vous pouvez facilement vous en occuper. C'est 15 dollars CD. Vous voyez mes filles, la demoiselle en rouge, juste à côté de ça. Little Day. Please, stand up. And people will see you. This is the song lady. You'll see her and you'll have a CD for the same. Thank you. Amen. Amen. Je veux aussi apprécier et remercier le pasteur, le docteur ici et sa famille. Son épouse était là à plusieurs reprises durant la semaine
Les enfants sont là, dans toute la famille. Merci d'être là pour adorer avec nous. On a beaucoup apprécié. Donc, prions que le Seigneur marche au milieu de cette assemblée et accomplisse des choses merveilleuses pour sa seule gloire et pour notre édification. Merci beaucoup, Cap. Tu es là aussi, merci d'être venu. C'est que tu es venu, tu viens de avec moi. Alors, je ne vais pas refaire la lecture qui a été déjà faite, parce que aujourd'hui, j'ai toujours lu du verset 1 au verset 6. J'allais lire jusqu'au verset 14, mais c'est déjà fait. Alors, on ne va pas prendre le temps pour faire la lecture, mais je vous demande de me prêter toute votre attention. Merci. Amen, Élise. Amen. Bon temps, ça va? Amen. Comme dit mon conseil, petit soeur, tant que vous ne pouvez pas la caméra, on est trop beau ici. Alors, m'a prêché dernier message sur maintenant, et m'a dit que je pourrais aller vite la caméra, parce que c'est pour ça que je vais beau ici. Non, c'est pas vrai, bonjour, béni, non. Selon ce passage qui se trouve tout à l'heure là, Ézéchiel 37, versets 1 à 14. Pendant captivité, peuple Israël à Babylone, bon Dieu qui m'était mené sur le prophète Ézéchiel que j'ai déjà choisi comme prophète. Et ça dit que lui transportait lui en esprit. Il déposait dans une vallée qui était bien seulement des os. Il mettait main sous lui, il transportait dans l'esprit, il déposait dans une vallée qui était bien seulement des ossements. Et prophète là, après observation approfondie, on lui dit approfondi parce que bon Dieu m'a dit de passer autour des eaux, fait le tour pour observer de près, l'observation qui poussait les scientifiques, le travail maintenant témoignage. Après observation approfondie, au fait a confirmé que tous les ossements étaient complètement secs. Complètement secs. Et fragilisés. Il a longtemps dans l'état que il n'y a pas de solution humaine pour restaurer encore. Complètement. Et tout le monde qui osait toucher lui, il a pris de tout le temps. Et au verset 11 de Ézéchiel 37, bon Dieu expliquait au prophète là, vrai Ézéchiel, que Zosaro roi qui est allé. Dans toute vallée, hein. C'est pas Tigras étendu, non. Une vaste vallée, une vaste plaine. Toutes les choses pas loin, mais toute vallée était partout. Mais c'était toute la maison d'Israël. La maison d'Israël. Et ça fait que Yorini. Avec ça, la vision de la vallée des ossements desséchés. Vallée des ossements desséchés. Qui n'est en phase terminale et irrémédiable. C'est toute l'histoire de la maison d'Israël. Aussi devant. Réalité, état spirituel de toute la maison d'Israël en ce temps, qui était comme, mon Dieu, mon Dieu, une vallée, les ossements desséchés dans son stade final et fragilisé. C'est d'ailleurs la raison qui fait que mon Dieu posait question à prophète dans verset 3. Parce qu'il dit concernant Ézéchiel 37, verset 3, ces eaux pourront-ils revivre? Et puis, tel qu'il observait, on dit d'après ou même selon soit constaté, est-ce que
les faire vivre. Ces eaux vont-ils vivre? Maintenant, pour faire cela, pour faire revivre ces eaux, mon Dieu dit prophète Ézéchiel au verset 4, il fait des choses. Il s'agit de cette ordre. Il dit 1, Ézéchiel, prophétise. Si que maintenant, par la personne de café, on va faire revivre, la première chose, prophétiser sur ses eaux. Prophétiser sur ses eaux. Et deuxièmement, dit ossement de ce chissaïo, il doit écouter la parole de Dieu. Un, prophétiser. Deux, Dieu écouter la parole de Dieu. Et bon Dieu lui-même, dans verset 5, verset 19, verset 4, dans verset 5, bon Dieu lui-même dit comme ça. Et c'est d'ailleurs ce thème, nous, c'est pas tellement ça. Et bon Dieu lui-même dit que engager personnellement, engager personnellement, l'esprit de vie en dans ce soir de ce chez ça. Est-ce qu'on a un cas d'esprit de vie en monde? Aucun d'autre. Et bon Dieu engager personne. Et je mettrai l'esprit de vie en elle. Et vous saurez que je suis. Parce que c'est le seul qui a fait ça. Alors ça fait que c'est dans le jeune thème dans Ézéchiel 37, ce qui dit un esprit. Un esprit de vie. Il m'a metté, il a engagé personnellement, il est capable de faire entrer dans l'esprit de vie, dans ce soir de Sichisayo, et plus tard, il peut faire. Et bon Dieu même aller plus loin, parce que les bails prophètes là, les prophètes d'Ézéchiel, qui savent pas le faire, comment elle va le posséder, comment ce qu'on a le pas trop bien sur le cap de mes salles faire. Et nous devons s'en prendre bien. Il a donné ça pour le faire. L'opération, les points de création, les points essentiels. Dieu dit, au fait là, voici les points, ça nous va le faire. Donc, il a ramené ses ossements. Verset 6. Verset 7. Alors, verset 6. On regarde ça pour nous. Il était 37, verset 6. Il dit, mais ça ne va pas faire. Je vous donnerai des nerfs. On va faire revivre le système nerveux pour que chaque de la vie passe, pour qu'il y ait des communications avec la route. Nous avons dit, on va faire quoi que sous même la chair. Troisièmement, on va faire pousser une pause pour que dans nos protections, pour et finalement, on va faire entrer dans l'eau et le à tout processus. Comme opération spirituelle, miracle ça par le fait que mon Dieu seul. Il n'y a même besoin de dans la Bible. Et quand on arrive, aucun homme n'a pas quelque connaissance que c'est mon Dieu seul qui a délivré. Et sous la guerre, mon Dieu, malheureusement, c'est fini. Nous avons besoin, mon Dieu, pour faire des miracles extraordinaires. Et sur ton domaine spirituel, tu me dis tout le monde, on a une clinique, on connaît le père qui a une clinique et qui a plusieurs. Souvent, on peut parler, souvent, on peut parler, mais pas qu'il n'est pas péché. Seulement, c'est Christ qui a le péché. Maladie spirituelle, c'est votre seul qui guérit ça. Et ça fait que, c'est dit, il a été opéré sur lui. Pour faire cela, il dit, nous sommes au même prophétisé, mais moi-même, moi engagé, je suis capable de faire entrer dans l'esprit de vie. Il me commande pas le possible, parce que les états, c'est blanc. Tout ça, c'était diagnostic que mon Dieu baille, explication sale dans le fait, les réponses peuvent opérer le miracle. Mais maintenant, avec le verset 7, nous entrons dans l'exécution. Côté l'ordre que mon Dieu baille, là, avait exécuté. Ça fait au lieu de verset 7. Allez, avec moi, on nous projette pour le verset 5 qui dit, lorsque le papa dit, vous savez maintenant, puisque mon Dieu dit prophétiser, et c'est l'ordre que mon Dieu baille, voici maintenant le prophète va. Pour elle dit ça dans Ézéchiel 37, verset 5. Nous revenons maintenant au moment d'exécution des sanctifs. Effectivement, au fait là, obéit à l'ordre de l'Éternel et puis il commence pour prophétiser.
prophétiser sur ses eaux. Vous ne pas l'ordre dans les Seigneurs, la prophétiser sur ses eaux. Et comme, la prophétiser, et voici, comme la prophétiser, quand on chute à matin, si vous avez dit ou sur quelques phrases, nous avons vu la manifestation de la puissance de la parole de Dieu lorsque vous prêchez. Le mot que le prophète a prophétisé, il y a un bruit qui fait. Ce n'est pas une dimension qui force, mais il y a un bruit qui fait. Assez évident que le prophète attendait pour être approché. Et non seulement en plus de ce bruit, il dit qu'il y a un mouvement aussi qui a ajouté. Parce que le prophète a pris pour prophétiser. Il a prophétisé. Encore une fois, mes frères et mes soeurs, nous expérimentons puissance, l'importance et puissance de la parole de Dieu lorsque nous prêchons. Si nous sommes dans le bruit qui fait, et dans le mouvement qui suit, mouvement qui est associé avec lui, ça. Et les choses qui sont, c'est qui vous, ça est. Qui vous, ça est, côté le sautier. Et qui mouvement ça? Qu'est-ce qui produit mouvement ça? Prêtez un moment, côté prédisseur, ma péché qui m'a dit tant de bruit, c'est pas moi qui fais. Un bruit assez évident, assez fort, et un mouvement qui associe avec lui ça. Et voilà, dit, attendez, et un bruit qui fait, et un mouvement qui suit. Et en plus du mouvement, il y a un rapprochement. Il y a un rapprochement des eaux pendant que le prophète là a été prophétisé. Il y a un bruit, il y a un mouvement, et il y a un rapprochement des eaux. Et toutes les eaux, ça veut dire qu'il était immobile, il était inerte, parce que les mangeurs ont prêché. Quand on a comme une dame que nous saisit, frères et sœurs, ça fait que moi triste parce que moi monde du Dieu musique et puis ma chita dans des messages par le monde. Amen. Pas que l'église, pas que la vie sans parole. Amen. Parce que mon Dieu de chanter, et pas chita dans des par le monde. Ça dit, gagne un bruit. Mouvement, il y a un rapprochement. Mais ça y est. Et ça dit qu'il y a un bruit, il y a un mouvement, il y a un rapprochement. Et en plus du mouvement de rapprochement, les autres, pendant que le prophète a prêché ça, mais ça y est. Et puis dès que ça dit qu'il vint, il y a un air qui entre. Donc c'est bon. Alors, sous pas qu'il y a un air de paradigme, que tu touches au avec les machines, on ne sent rien du tout. Levez les nerfs. Et en plus, il dit que la chair a poussé sous eau. Troisièmement, il dit que aussi, pour accroître. Les bons Dieu voyez-vous, allez. Même si vous n'avez personne, prêchez. Ça fait aussi chaque fois qu'on a l'occasion de trouver un bon Dieu qui fait le gloire de Dieu. Il y a des gens qui chaque acte de parole qui vont le cueillir. Et ça dit pendant que le prophète l'a prophétisé. Il y a un bruit qui fait. Il y a un mouvement qui suit. Il y a un rapprochement des ossements théoriques. Il faut observer le passé. Des états qui vont rapprochement, puis l'air entré, chair poussée, pour couvrir. Ça a passé comme ça. Ça a passé là. Et donc, je me pose une question. Qui monde? Qui savent qui t'a dit ta frère? L'air entré. Chair poussée. Et pourquoi? Qui est-ce qui dit ça?
Ézéchiel 37, verset 6. C'est pas affiché. On va demander ton pays pour nous. Vous d'accord? Parce qu'il dit, je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous, peut-être ce jeu qui parle, ce pronom personnel, combien de personnes, dit, qui est ça? Tu es engagé personnellement pour dire, et ça m'a fait. Le processus que l'on suit, seulement au même ça me fait, prophétise. Bien aimé, c'est tout ça, le comportement de Dieu nous fait, pas plus que ça. Il fait le reste. Nous sommes responsables d'annoncer la parole. Nous sommes responsables d'annoncer. Le peuple a besoin de la parole de Dieu. Ne pas l'église pour société. Ne pas l'église pour religion. Ne pas l'église pour l'entreprise des hommes. L'église pour la parole de Dieu. Je suis dans le monde pour nous bénir la présence. Pour nous instruire la parole, pour nous grandir la foi. Et pour nous déterminer pour le servir le Seigneur. Écoutez. C'est un exemple que. C'est bon de qui c'est, puis voici, sa bonne de Dieu, l'a fait, sa bouche qui dit, mais il est accompli. Donc, il fait tout ça, il fait pousser une chair, il fait croître le pot, il fait entretenir. Donc, ça m'a bien compris très bien. Oui, une dépendance hier, pendant que le prophète a tapé et prophétisé hier, c'est qui est-ce qui fait dire? C'est l'éternel. Il fait bien lui-même. Il fait rapprocher. Mouvement nous t'es que nous t'es qu'à produire, c'est nous qui produisons. Ça fait mal de ma carrière, ça fait bien. En plus, il faut nous couvrir des mondes. C'est pas moi qui a fait mal, c'est bon, tu fais bien. Amen. Ou de casser avec le monde. Commander le prêcher. C'est le Seigneur qui opère le miracle. Beaucoup de fois, nous faisons des folies. Nous oublions l'évangile. Ne pas comprendre sa parole comme dit. C'est bon, Dieu qui produit des miracles. Le prophète n'a pas fait le miracle. Le Seigneur l'a fait. Et le prophète a annoncé la parole de Dieu. La parole de Dieu, la prophétie. Et ça, on nous dit. Donc, le bruit, le mouvement, le rapprochement, et puis nerf qui entrait, chair qui poussait, beaucoup qui croître, c'est travail qui est. Le travail de Dieu. Pour qui ça? Pour lui faire revivre. Je fais revivre ces ossements et ces chutes qu'aucun homme n'a pas capable de faire. Le seul traitement, c'est que revivre. Je m'en vais sur moi. Bien aimé dans le Seigneur. Le miracle, les nerfs qui sont venus, la chair qui croît et la peau qui couvre. Tout ça, c'est l'œuvre seulement de l'Éternel. Spirituellement parlant, au-dessus de la fesse de ma gueule. C'est ça mon Dieu fait. Et quand l'Esprit de vie n'était pas encore entré, parce que c'est vrai, l'air entré, c'est vrai, chair poussée, c'est vrai, beaucoup vite, mais l'Esprit contre encore. Et bon Dieu m'a dit pendant que ça dit pour encore, prophétiser. Parce que, continuez à prophétiser, parce que, m'a fait ce miracle, votre parole a annoncé. Néanmoins, voyons, enfin, l'Église comprend l'importance et la puissance de la parole de Dieu prêchée. Dans toutes les choses qu'elle a fait pour conclure, même, je veux comprendre ça. Le bon Dieu dit prophète, hein? C'est pas bon Dieu lié. Et pourtant, l'herbe, le vivant contre dit beau. Fils de l'homme, dit
dit à l'esprit de ma part, ainsi va l'éternel. Autorité en mon nom et ordonné cela pour l'entrée. C'est effectivement pour cette crise. Vous venez obéir encore le frère prophétisé, et l'esprit entre. Et voici que nous sommes. Laisse-moi entrer. L'opération est achevée. Allô? Opération gay? Réussie. Pourquoi vous m'avez fait qu'il y a entré cette opération? Ils font une grosse opération qui dure longtemps. La monsaï, le docteur n'a pas dit fort. Réussi. Vous content? C'est pas vrai? Parce que l'opération gay? C'est exactement ça. On nous saisit bien. L'opération réussie. L'esprit entré dans les corps inanimés. Et puis voici, ça dit ça que de reprendre vie. Les ossements desséchés ont repris vie. Et puis ils se tinrent debout. Et ils se tinrent debout sur leurs pieds. Vous pouvez imaginer ça? Attendez, si vous souvenez bien. Maintenant, il était mon seul homme qui mourit. C'est ça. Il n'y a pas que les os pour les sujets des sentis déjà. Et lorsque Christ vous est-ce qu'il dit non, monsieur, il sentit déjà. Est-ce que nous pas dit, nous, si nous pouvons après la gloire de Dieu? Ferme confiance. Maintenant, c'est plus que qu'un hasard. Hein? Deux, c'est pas une montée, c'est une peur en plus. Et on peur en entier. Et voici. Bon Dieu, laisse-moi apporter ce miracle. Pour que tout le peuple, c'est-à-dire que l'esprit de l'entrée, le peuple a tempé debout, soupiré par celui de ma vie. Vous pouvez imaginer ça? Et le rabbi, en fait, je me dis, alors on va bon Dieu notre service. Alors on bon Dieu que nous gagnons. Et ma problème, d'abord. Sinon, mettez ma attention. Ma problème d'abord, parce que. Voici, frères et sœurs, la vallée des ossements desséchés est devenue la vallée des vivants. Alors, quand même, la vallée des ossements desséchés est devenue la vallée des vivants. Parce que bon Dieu produit une miracle. Il ramène à la vie, il souffle sur, il va au nerf, il va au chair, il va au peau, il va l'esprit. Il m'a demandé mes bagages, ils m'ont dit. Je me demande si non, d'abord, pasteur, docteur, le docteur en théologie, docteur, prédicateur, évangéliste, missionnaire, moniteur, et ensuite, si nous aussi chrétiens, nous comprenons l'importance et la puissance de la parole de Dieu lorsque nous voulons prêcher. Attendez, c'est une discussion importante. Ça, bon Dieu, qu'a fait, parce que parole est prête. Donc il dit, écoutez, parole, on parle tout à la même chose. Même si on a la pluie tombée, il a arrosé, il fait gronder, il fait la terre pour des fruits. Parole aussi, pas besoin tout à la même chose. Est-ce que les chrétiens ont réalisé l'importance de la parole? Vous remarquez, on va qui est sur le bras, on va fait tout le bagage. Quand on parle, on va déchirer comment c'est dormi. Il n'y a même qui n'a pas qu'à chuter à l'église. Il parle de la vie, comme c'est couché de la ville. Il a marché, il a mangé, dans le téléphone. Et pour, parce que ça t'a mené en jeu avec vos bagages, que vous avez besoin de parler en jeu. Et c'est ça qui a fait faiblesse de l'église aujourd'hui. Hein. C'est que vous n'avez pas quelqu'un qui mourit spirituellement pas. Malgré leurs activités. Et je ne comprends l'importance. Est-ce que l'église comprend? Eh bien, Dieu dit deux choses, dit les prophètes là, prophétiser. Et tu dis, par là, goûtez parole de l'éternel. C'est ça qui fait la vie de l'église. Il y a une église qui parle de la parole, il n'y a pas l'église. Allô? Il y a une église qui parle de la parole, il n'y a pas l'église. Mais dans ces gens qui ont sauté, quand tu as des gens qui ont sauté, tu n'es pas méchant sans parole pour Dieu. Et là, c'est même une blague, est-ce que tu comprends ça? On a parlé de l'esprit de vie.
que tu n'as fait que avoir le si nos pasteurs, prédicateurs, nous comprendre qui puissance vient la parole de Dieu lorsque nous prêchons. En les chrétiens, on comprend aussi ce qui puissance vient lorsque nous recevons la parole de Dieu en pratique. La vie nous transforme, nous bénit, nous enrichit, nous efface comme nous attendons. Allô? Nous gardons Satan, non! Amen! Parce que Satan, bon seul, il s'est mis dans l'affaire. Il utilisait faiblesse pour le vidéo. Et la parole d'un homme, il a dit non à la autorité de Christ. Christ a dit, écoute, Christ a dit, il est écrit. L'homme ne vit pas seulement d'eux. C'est dans la tête qui parle ça, il y a de manger. C'est dans le cœur qui est pour défendre pour dire non, il doit résister. Est-ce que Christ est au point d'importance? Parole de Dieu pour nous capables vivants, pour nous pas morts, pour nous pas tomber dans l'outil, pour nous pas dans la forme spirituelle. Avant de est-ce que Christ est comprendre ça? Est-ce que prédicateur, pasteur, réalise l'importance sérieuse? Non seulement parole là, parce que les prêchés, frères et sœurs, les ramener à la vie, les ressusciter, les faire revivre, et les garder aussi le monde vivant. Il y a des chrétiens vivants. Vous voulez être un chrétien vivant? Vous voulez continuer à servir mon Dieu pour le vrai? Vous voulez être un monde qui sanctifie? Vous voulez être un monde qui prend des décisions, qui dit non au péché? Vous avez besoin de nourrir de parole, mon Dieu. Il m'a dit, nous retournons après la lecture de la parole. Chrétien, pas une Bible encore. Nous retournons à la dévotion familiale. Mes essais, écoutez, sont catastrophes aujourd'hui. Hein. Si vous n'avez besoin de raconter aucune histoire biblique, je compte 14, c'est tout ça que vous connaissez. Je connais tous les acteurs qui ont mis sur tout petit. Tout le monde a vu bien, on va prendre la parole de Dieu. Parce que nous avons envie de course. J'avais un ange qui a couru tout le temps. Il m'a dit, vous connaissez, l'ange est pourri. Finalement, c'est quoi qu'on va commencer? Bon, nous, là, ça sera dans son travail. Il y a des mondes qui ont guéri. Oh non, mon Dieu, prenez mon Dieu qui a grandi dans mon Dieu. On nous retourne à la lecture de la parole. On nous retourne à la méditation de la parole. On nous retourne encore à la. Est-ce que vous pouvez regarder ce que je vous disais hier? Dans ça, on ne peut pas que des foyers, également pour vous, des familles, des petites, abandonnées pour partir dans la folie. Tu vas détruire une famille. Et vous, il y a un petit monde. Un petit monde qui est amer. C'est exactement ça qui a affecté. Mais les paroles de Dieu n'ont pas dit la blague. Non. Il y a un bon sens, il y a une intelligence. Il y a une grâce. Il y a une grâce. Il fait l'église vivante. Parce que le chrétien n'est pas mourir, le chrétien est vivant spirituel. Le esprit de vie. Nous avons besoin exactement de faire ce retour à la parole. Et apprenez-moi, apprenez-moi maintenant, avant que le thème de ce message de Dieu, et pour ce thème, cet esprit de vie. Frères et sœurs, ce qui est merveilleux et extraordinaire dans cette vision, cette révélation, c'est parce que sur la vision de la vallée des ossements, on est séché et fragilisé, quand parole mon Dieu est prêchée, sur ces ossements desséchés, c'est toute une armée. Comme elle est véritablement. Et non pas
Si je dis à quelqu'un, pas quelqu'un qui vous tactique pour faire mon dire amen. Ce n'est pas faire mon dire amen qui l'évangile, c'est l'évangile qui l'évangile. Lorsque la parole vient prêcher comme elle perd, avec puissance, avec l'Esprit Saint, une pleine persuasion, pour lui traverser le cœur, pour cet esprit déposer dans la vie, pour lui convaincre le cœur, pour lui changer la vie, pour lui rassurer les gens, pour lui poursuivre le monde qui t'a fait inquiétude, pour lui poursuivre. On a fait ça. Là, on va aller voir. Je ne sais pas, on va qu'il y ait un petit peu de temps, on va attendre, je vais attendre quand même. Lorsque l'évangile traverse le cœur, au plus, nous arrivons dans ce type. L'absence de l'évangile a poursuivi. Est-ce que nos pasteurs, nos prédicateurs réalisent l'importance de l'évangile pour les chrétiens? Le chrétien est capable de vivre. Mais est-ce qu'il m'a dit autre chose quand il est seulement le papa? Nous allons comprendre ça. Puis c'est malheureux. Malheureux parce que si moi, avec vous, mes collègues pasteurs, prédicateur, prêcher l'évangile. C'est pas de miracle qu'on a déjà fait. Pas de délivrance à des mal. Quand nos pasteurs, écoutez aussi, et quand cette parole prêchée, on va prêcher comme elle est, et quand cette parole prêchée comme elle est, elle est reçue comme elle est, par les chrétiens, par l'Église, reçue comme elle est véritablement, Dieu opérait des miracles. C'est tout ça qu'on demandait pour opérer des miracles, pour casser chaînes, pour libérer captifs, pour délivrer le monde, pour délivrer le monde. C'est ça qu'on parle dans Dieu seul. C'est pour ça qu'il n'y a aucun prédicateur qui vient pour prêcher ou qui vient jouer derrière chez là. Vous passez tant dans la prière, tant dans l'étude de la parole, tant pour que mon Dieu bénisse, pour toute parole, pour dire, pour me transformer. Amen. C'est bon joie, c'est bon plaisanterie, c'est bon poste, c'est bon faire, ouais. C'est une démonstration de puissance de Dieu et de Dieu. Le prédicateur a besoin de prendre conscience que notre peuple devant nous besoin de sauver, besoin de bâtir. C'est important, c'est sérieux. Quand nos prédicateurs, quand nos leaders réalisent, parce que je dis à l'Église, plus nos luttes de combat de pouvoir que l'évangile prêché. Amen. Beaucoup plus nos besoins chutent à la vie de Dieu. De chaque occasion de guerre, nous saisissons pour nos mon Dieu glorifié. Aucun miracle opéré. Dieu a fait des miracles si la parole est prêchée comme elle est, mais aussi elle est reçue comme elle est, comme véritable parole de Dieu. Nous sommes Dieu a opéré des miracles, l'a fait revivre. Nous a fait revivre des morts. L'a ressuscité, l'a ramené à la vie. L'a ramené à la vie. Et non seulement l'a fait revivre la mort, mais aussi l'a conservé en vie. La paix des chrétiens au vivant. C'est la grâce de Dieu qui fait qui gagne. La paix des vivants. Il ne faut pas faire une idée, Dieu. Ou alors, mais tu viens, comment tu vas dire tout ça va. Si on joue devant des difficultés, tu vas dire tout ça va prendre, absolument dans mon passage. Amen. Chrétien pendant l'étude publique, encore. Il devient tout quelque chose de perdu habitude. Quand tu dis chrétien, on fait attention parce que, ou alors que vous parlez de gros salaire, vous parlez de moyens, vous parlez de moyens, vous parlez de gros salaire, parce qu'on perd l'habitude. Allô? Et vous parlez de grands moyens, vous perdez l'habitude. Ou alors, pendant pile temps, vous dites pas de temps, si vous apprenez chrétien, vous parlez de observer Dieu. Mais si vous perdez l'habitude, ça fait que vous encore déjà. Et c'est ça que nous avons besoin de monde qui est intelligent parce que, attendez, si vous voulez chanter, rien pas qu'à, rien pas qu'à empêcher de marcher sous l'or, dans l'or, ça y est, ou moi Christ, rien. Est-ce qu'on est aussi déterminé pour que, ou moi Christ connaît les jours, pour mettre toute la gamme en place sur la Christ valeur que bien. C'est l'église par le joie de ce Seigneur, c'est mon sauvé quand toute Christ vient chercher, oh! Tu vas être mon fiancé qui a fait beauté, qui a préparé.
la vie est aussi conservée en lui. Chers collègues du ministère, leaders de nos églises, je vous en conjure devant Dieu et devant Jésus, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, je vous en conjure par nos péchés, ma parole, par nos péchés, mon Dieu. Allô? Par nos péchés, par la volonté. Des mondes qui attachent à titre, là, mais qui parlent le travail que mon Dieu va faire. En nous, conjurez-nous. Nous n'avons pas quelqu'un qui est un petit pasteur, mais qui n'a rien à voir avec le marché. Conjurez-nous. En nous mettant pour son chita dans le monde pour nous prêcher le marché. En nous demandant Dieu grâce, parce que dans tout, chaque occasion, c'est l'homme qui devant. Pas une raison. Conjurez-vous devant mon Dieu. Suppliez-vous devant mon Dieu. En nos péchés. Évangile. Aucune activité n'a fait. Le secondaire. Et l'autre monde qui a fait. Assure que pasteur, prédicateur, leader a pu prêcher l'évangile. Des fois, nous fatigués, nous faisons trop mal, nous fatigués, nous ne faisons pas très pareil. Comme il dit, nous agités, nous ne faisons pas activité. Et puis, nous ne faisons pas trop de chance, mais bon, je vous le dis. Elle dit, Marie a choisi la bonne part. Qui part ou choisit la terre? Le 13e anniversaire de l'Église, là, qui part ou choisit? Quelle décision prend? Qui soit? Là-même, aussi, frères et sœurs de Bocton, nous tous qui chrétiens, à tous les niveaux, parce que ce n'est pas pasteur juste pour parler, ou pasteur aussi pour goûter. On est d'abord les premiers. Et mettez par le bon Dieu en pratique. Ça nous fait ça devant le peuple. Puis on a mettez par le bon Dieu en pratique. Bon, pas qu'un leader vous de bâton, c'est pas leader, ça veut dire que c'est vous qui mettez par le bon Dieu en pratique. En nous, monde qui est devant, mettez par le bon Dieu en pratique devant le peuple. Ensemble avec vous, avant tout, je peux réaliser que l'évangile, c'est sérieux. L'évangile, c'est sérieux. Puis nos leaders sont occasion pour nous servir pour la gloire de Dieu. Et nous servir. Allô? On a servi. Christ, qui convient être le premier qui soit le serviteur de tous. En nous servi, nous déposer du bâtiment pour politique comme modèle. Parce que nous bien servi. En nous servi. Bon Dieu a fait des miracles dans nos églises. On a fait des prodiges dans nos églises. Alors, entendons-nous. En entendant des bruits, mais bon Dieu, qu'a-t-il opéré. En entendant des mouvements que bon Dieu a fait. En entendant l'approchement des frères et sœurs. Vous connaissez, nous n'avons pas de toujours des choses à eux-mêmes. Ça ne va approcher personne. Mais si pas un Dieu de péché, nous devons entendre un message, nous ne pas cadeau, nous avons de l'autre. Un message qu'on entend, nous ne pas cadeau. Mais d'aller jusqu'au derrière, pour parler. Et si vous persistez, alors qu'ils sont des mêmes messages encore. Vous devez demander pardon. On nous péché l'évangile. Et par les rapprochements. Parce que nous avons grandi, la chair descend. Au cœur descend, nous la vie de notre corps. L'évangile péché. L'évangile péché. On nous grandit dans le Seigneur. Oui, c'est sûr. Bon Dieu a fait des miracles, a fait des prodiges dans nos églises. On a tant de bruit, on a fait un mouvement, on a constaté, on a témoigné de l'approchement. On a pris l'esprit que j'ai rencontré dans des corps inanimés. Et on garantit où, on a pu me sacrer de moi à travers votre thème, on garantit où, frères et sœurs. Ce n'est que tout à vous, c'est tout à vous. Et c'est le péché, c'est tout à vous. Allô? C'est l'évangile prêché, nous prenons le temps parce que toute l'armée a levé quand même pour servir le Seigneur. Et parmi eux, il y a de puissants serviteurs
mais de puissants jeunes gens, mais de puissants prédicateurs, mais de puissants missionnaires parmi eux, que Jama, endormi, tué, si l'évangile prêchait après des pierres spirituelles. Moi, le cas de proposition pour mon Dieu, le cas de ma vie pour le Seigneur, et pas que l'évangile prêchait. Dieu dit prophétiser. C'est ça le remède qui m'a opéré des miracles. On nous prêche l'évangile. On dit frère, revenons. On nous enseigne la parole de Dieu. Si mon Dieu augmente, on va mon Dieu. On nous sérieux, mon Seigneur, on a baillé pour le Dieu parti. Nous des modèles devant nous. Allô? Soyons nous des modèles, mon Dieu, à Zambie. Qui marque la vie, vous. Quand on va aller pour le test suivant, on a de bons moniteurs, de bons maestros, de bons musiciens, de bons prédicateurs, de bons choristes, de bons solistes. Même si mon Dieu bénit moi bien belle voix, on va bien belle voix pour faire chaud, mais pour glorifier mon Dieu. Amen. Oh non, c'est chrétien là, nous c'est qui les là, mes soeurs. Il dit quel temps se dit-il que, et mon Dieu, dans cette année, il dit que lorsqu'il fait ça, c'était une armée nombreuse, très nombreuse que l'Iram a vie. Très nombreuse que l'Iram a vie. Il y a des soldats, il y a des officiers, il est regardé que Dieu a cassé, il tué. Monde qui est extrêmement intelligent que mon Dieu a servi avec eux. Il faut que l'évangile prie. Et ma prière, en 13e anniversaire, l'église ça, c'est que quel monde comprend, non seulement comme leader, mais aussi comme chrétien, que parole a doué, péché, et puis l'idée réussit comme elle est véritablement pour mettre en pratique. Et si ça arrivait, pas besoin, pas que c'est la louvre, non? Il y a un puissant réveil. Est-ce qu'on veut un réveil dans l'église, non? Un vrai réveil, côté chrétien au conséquent. Côté chrétien, remet mon Dieu. Côté chrétien, proposition pour mon Dieu. Le réveil, c'est pas fait, mais chaque jour. Le message de la parole, je transforme la vie. Je fais de renouveau. Vous avez crainte pour mon Dieu. Vous avez grâce pour mon Dieu dans le cœur. Et puis, comme vous remet le monde. Vous tendez voir mon Dieu. Vous obéissez à ta parole. Vous avez respect pour le monde. Vous avez respect pour l'idée. En nous vivant, vous avez réveil. Mes amis, parole a perdu à travers activités religieuses, amusement. Qui t'a retrouvé? Qui t'a retrouvé? Faut pas que l'activité couvre les manches. Je veux que au fond fait activité, pas que place pour les manches, je prêche encore. Il y a beaucoup de vieux, écoutez, pasteur, il y a un temps encore, on va prêcher 10 minutes. Faut pas que l'amusement. Bravo, nous n'avons pas nous. Nous sommes toujours bien entrés. Que bon Dieu bénisse au nom de ça. Que bon Dieu avec l'église. Que votre 13e anniversaire nous marque un tournant dans la vie spirituelle. Nous avons un adulte spirituel. Donc, une maturité. Dans l'église, ça, côté, nous avons tête ensemble. Pour décider pour mon église, côté, mon Dieu prend plaisir. L'église, côté, mon Dieu bénit. L'église, côté, leader, yo. À tout être ensemble pour l'évangile péché. Et nous d'accord pour l'évangile péché. On a prié pour cela. On a pu faire votre décision qui est nécessaire. Pour les dire, nous supporter pasteur, non. Pour le mettre comme une chita dans l'évangile. Pour la recevoir le monde pour nous débattre. Pour nous nourrir. Pour nous bénir. Pour nous grandir. Et bon Dieu bénir abondamment. Et bon Dieu aver. Et bon Dieu enrichir. Et bon Dieu combler vous. Grâce mon Dieu.